l'idée de système de parrainage que Macky Sall a initié? Il a initié un système qui a l'avantage pour lui de limiter les candidatures, mais qui est controversé. C'est pas démocratique. Comme je dis, la démocratie est toujours relative. Il dit, allez chercher des parrains. Il n'a pas dit, il n'y a que ceux-ci qui ont le droit de chercher. Il dit que tous ceux qui veulent être candidats aillent chercher des parrains. Quelque part. Parce que quand même, on peut à la dictature aller chercher des parrains. Je décide pour faire des parrainages, aller chercher des parrains. Non, ce n'est pas de la dictature. Quand on dirige, comme je dis, il faut oser prendre ses responsabilités. Peut-être que pour cette fois-ci, ça peut paraître aux yeux de certains comme de l'autoritarisme, je dirais. Mais les autres qui viendront savent que ce système existe. Et eux vont se préparer. Et ce ne sera plus de l'autoritarisme, parce que ça fera partie de l'état de droit. Ça lui permet quand même de passer. Oui, d'accord, mais un mandat de Macky Sall de plus. Disons, dans l'histoire du pays, qu'est-ce que ça représente? C'est cinq ans pour certains, c'est des calamités. Mais pour d'autres, c'est pas des calamités. Et au-delà de Macky Sall, moi, je ne m'intéresse jamais vraiment à l'individu. L'individu joue un rôle dans l'histoire, mais l'histoire, c'est quelque chose de plus important que tous les individus, tous les présidents qui se succèdent. Je pense que ce qui est important, c'est que dans le mandat de Macky Sall que l'on vient de vivre, bon, il y a eu des impairs, mais il y a eu des avancées que personne ne peut dire. Dans le mandat qu'il va faire, s'il gagne, et beaucoup de gens pensent qu'il va gagner effectivement parce que ceci, parce que cela, s'il gagne, bon, ça fera un mandat de plus. Mais les présidents antérieurs, Senghor, a dirigé le pays pendant 20 ans, Abdou Diouf, a dirigé le pays pendant 20 ans. Macky Sall va diriger le pays peut-être au maximum pendant 10 ans. Il n'y a pas péril à la demeure. Le Sénégal, c'est plus que Senghor, c'est plus que Abdou Diouf, plus que Macky Sall. Le Sénégal, c'est un peuple qui embrasse son destin et qui mène son combat pour aller de l'avant. Pensez-vous que les élections là qui arrivent sont pareilles que les autres élections? C'est des élections. Les élections, il n'y a pas de miracle. Je suis statisticien, démographe, les sondages, tout ça, c'est mon domaine. Quand j'observe attentivement ce qui se passe, je ne m'attends pas à des changements majeurs dans ce pays parce que les gens, la tendance dans un pays comme le Sénégal, c'est plutôt un certain conservatisme que l'on observe. Le président Macky gère le pays et tout ce qu'il y a comme réalité sociologique forte, il le gère de façon correcte, je dirais. Et donc, sauf surprise de dernière minute, qui n'est pas impossible, il devrait pouvoir faire son second mandat. Mais tant mieux pour le Sénégal, parce que ça veut dire qu'on aura réussi avoir une certaine stabilité, qu'il pourra faire ce qu'il estime avoir à faire et que les gens se prépareront à ce que le régime suivant corresponde encore mieux à ce qu'il souhaite. Je crois que le pays Sénégal, le Sénégal, est un pays qui a une histoire. C'est un pays qui n'est pas un pays de dictature, hein, même s'il y a des moments d'autoritarisme. C'est un pays où les libertés fondamentales sont pour l'essentiel respectées, quel que soit le régime qui est en place, même Senghor, hein, qui était d'une ethnie minoritaire et qui était d'une religion minoritaire, a pu diriger le Sénégal pendant 20 ans. Il n'a pas dirigé de façon dictatoriale, il a dirigé par des consensus. J'ai été mis en prison sous le régime de Senghor. Bon, mais je reconnais que c'est un régime qui n'a pas franchement travaillé à détruire le Sénégal. On n'avait pas les mêmes conceptions, ce qui est normal. C'était le premier régime au Sénégal. C'est normal qu'il y ait eu des dérives. Il ne faut pas être idéaliste. Croire que la démocratie tombe du ciel en tant que produit fini que nous mettons en œuvre, non. Et je crois qu'avec Senghor, on a pu aller de l'avant. Et il a pu, au bout de 20 ans, comprendre qu'il devait partir. Certes, en nous laissant,
son premier ministre qui a dirigé le pays. Ça, nous n'oublions pas. Ce n'est pas par des élections que Diouf est devenu président. C'est par un article de la Constitution. Mais c'est déjà un mérite d'avoir pu gérer ça et de comprendre après 20 ans, je dois partir. Ce n'est pas la peine dans un pays comme le Sénégal. Si je veux rester trop longtemps, je vais créer des problèmes. Et ça a permis à Diouf d'être là pendant une vingtaine d'années lui aussi. Et Diouf a accepté de mettre en œuvre des élections démocratiques qui se sont conclues par sa défaite. Que pensez-vous de Dissan Komania au Sénégal? C'est un jeune très sympathique d'ailleurs. Et la jeunesse doit se battre. Moi, quand j'avais cet âge-là, j'étais extrémiste de gauche. Beaucoup plus extrémiste que le Sonko que vous connaissez. Moi. À l'époque. Ah, vous estimez qu'il est extrémiste, Sonko? Bon, non, j'ai dit que j'étais beaucoup plus extrémiste que Sonko. Donc, je n'estime pas qu'il est extrémiste. J'estime qu'il donne son opinion, il a sa vision, il se bat, il la défend, mais c'est bien. C'est le Sonko de la jeunesse, c'est le Sonko de l'avenir. La jeunesse, c'est pas Sonko qui est l'avenir, c'est la jeunesse qui est l'avenir. Mais à un moment donné, un jeune exprime fortement ce qu'il pense. D'autres jeunes qui ne l'expriment pas peuvent demain jouer un rôle plus important. Quelqu'un comme le président Macky Sall, qui le rappelle dans son livre, a travaillé dans mon parti quand il était plus jeune. C'est dans mon parti qu'il a commencé à militer. Je ne suis pas devenu président, j'étais extrémiste et connu. Et j'ai fait des meetings qui ont donné la chair de poule à plus d'un à l'époque. Mais c'est Macky qui a émergé dans tout ça et qui est aujourd'hui président de la République. Donc le fait d'avoir une Sonko Mania aujourd'hui ne nous dit pas de quoi sera fait l'avenir du Sénégal. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas de femmes candidates au Sénégal? Bon, parce que les femmes sénégalaises estiment qu'elles ont autre chose à faire que de se mouiller dans le marécage politique. C'est aussi un droit démocratique. Il y a des femmes qui ont aspiré à des fonctions. Vous pensez que les femmes n'ont pas envie de diriger le Sénégal? Non, c'est pas qu'elles n'ont pas envie de diriger le Sénégal, mais elles estiment que les femmes ont toutes les capacités. Elles en ont même plus que nous. Mais pour le moment, elles ont d'autres priorités. Il y a Aïssatou Tansal qui a voulu se présenter. Il y a aussi une autre femme qui s'est présentée. C'est parce que peut-être que le système sénégalais ne leur laisse pas la possibilité. Aucun système dans le monde contemporain ne facilite aux femmes l'accession au pouvoir. C'est que ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, c'est pas... ça gêne personne que les choses soient comme ça que... c'est pas... Ça gêne certains, mais ils n'y peuvent rien. Mais je dis que même si les femmes n'accèdent pas aujourd'hui au pouvoir, plus tard, elles auront le pouvoir et il n'y aura plus d'hommes au pouvoir. Et ça ne gênera pas non plus. La femme est l'avenir de l'homme, dit le chanteur. C'est quand même une pauvre consolation. Oh oui, pour vous qui êtes de cette génération et qui ne serez pas là peut-être le jour où ça va se faire. Et je suis toujours marié et solidement marié à cette grande féministe qui est restée elle-même et qui continue de croire en ce qu'elle croit. Mais qui sait, moi je n'ai jamais exercé aucune influence particulière sur elle. Elle a ses idées, elle fait ce qu'elle a à faire et comme elle veut le faire. Et je respecte entièrement ce qu'elle fait, que je soutiens beaucoup d'initiatives qu'elle prend. Mais elle sait, c'est une femme qui a de l'expérience aujourd'hui, qui est lucide et qui sait que les idées, il faut se battre pour elles, mais qu'elles ne se réalisent pas du jour au lendemain. Mais comment servir d'être mariée féministe? Moi, je l'ai soutenue depuis le départ et je n'ai jamais cessé de la soutenir comme féministe parce que je crois au féminisme. Moi, je crois aux femmes. Ma mère n'a pas fait d'études, mais c'était une femme de caractère. Et dans ma vie, j'ai vu ce que les femmes pouvaient apporter à la famille, à la société. Et je ne doute pas de leur capacité de diriger des pays ou de diriger le monde le moment venu.